Salut tout le monde, et on se retrouve pour un nouveau live sur Isaac et on va jouer Keeper. Je l'ai bloqué quand j'étais en off, j'ai peut-être la vidéo où je l'ai débloqué mais je l'ai pas encore mise sur YouTube. Isaac et on va jouer Keeper. Voilà, c'est mieux de pas avoir d'écho. Hein, de couper tout. Voilà, parfait. Et donc je l'ai débloqué, je vous ai pas encore montré la vidéo et j'ai pas encore joué avec. Hein. C'est pas que j'ai pas réussi à faire un des boss ou autre, c'est que j'y ai encore jamais joué avec. Salut Loupig GM. Donc on va voir ce que ça donne. Alors je sais que sa vie c'est des pièces, je connais 2-3 trucs sur lui, mais j'en sais pas beaucoup plus. Je sais qu'il a moins de chance, caractéristique qui est quand même assez merdique. Ok, on tombe sur un étage où on ne voit rien. Il y a des pièces, j'ai qu'une bombe. Death like burning. Oula, si je me mange le mur, ça va pas le faire. Salle du sacrifice, on va éviter, hein. Pas déconner. Donc apparemment il tire 3 larmes, il a une cadence assez faible. Bon, pardon, il tire 3 larmes pour compenser. Et hop. Donc les pièces, on va éviter de les prendre. On les garde pour la fin quand on a fini le niveau pour être sûr d'avoir toute sa vie. Splatoon 2. Ah non, ce n'est pas Splatoon 2. C'est Isaac. Je fais peut-être du Splatoon 2 plus tard, mais pour l'instant là, on va jouer à Isaac. Allez, on essaye de les buter rapidement. Bombe. C'est vrai qu'avec ce truc là, j'ai avoir beaucoup de bombes, mais pas beaucoup de. Par contre, ça c'est cool, un coffre, ça peut être pas mal. Un peu de chance. On va avoir un petit dégât up. Moins de chance, je vais pas tester la pilule. Pas déconner. Ah putain, j'ai un cœur direct. Il n'y a pas de demi-cœur. Hein. Oh. c'est mon anniversaire. Eh ben, bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon, on recommence. On part de zéro. Alors par contre, ouais, c'est... t'as pas de demi-pièce, hein. Pas déconner. Tu perds ta vie direct. Donc on n'a pas le droit de se faire toucher plus de 2 fois. Il me semble qu'on n'a pas le droit d'avoir plus de cœur que 2 non plus. Enfin, de... plus de 2 de vie. Donc les Devil Deal, c'est un peu mort, hein. Faut pas se le cacher. Ok. Allez, crève. Génial. Ah, quoique, si, ça vaut peut-être le coup. Ouais, si. Je pense que les clés sont plus importantes. Putain, il met 3 heures à tirer, c'est une catastrophe. Hein. Oh putain! Je suis pas prévu, je suis bien content. Oh. Je frôle la mort à chaque fois. Allez! Donc, en soi, que les amis soient d'élite ou pas, ça change rien parce que vu qu'on perd forcément une pièce, le seul prérogatif c'est de ne pas se faire toucher 2 fois d'affilée. Oh merde! Tant pis, c'est pas grave. Hop! It's feel lucky. Bah, on va peut-être avoir un peu de chance. Ah, yes, ça c'est cool. Allez. Non, faut pas que je prenne les pièces. Putain, réflexe à la con. Je laisse des pièces. Ah, ça fait des. Ok, ça me donne des. C'est pour l'instant. Allez, il meurt. On va espérer un bon item, hein, parce que c'est quand même pas évident. Oh, plus de... Ouais, si, on va garder ça, hein, on va garder plus de dégâts, parce que c'est quand même énorme. Bah ça, c'est de la full merde dans notre cas, non? Damage reduction, ça marchera jamais.
Ou alors on dit invincible, mais je pense que. Je pense plutôt que ça va nous être inutile. Est-ce qu'on n'irait pas. Est-ce qu'elle serait pas ici la salle de secrète? On pourrait voir ce qu'il y a dans la. Un petit truc pour améliorer la cadence, ce serait pas mal aussi. Allez, Larry. Ouh, ça va être chiant. C'est une salle bien merdique. Je vais vers lui. Alors, on peut pas trouver de cœur bleu avec Keeper. Donc, le rocher marqué, il peut soit me balancer un coffre, soit je ne sais quoi. Il a peu de chance de. Yes! Ouais, voilà, il y a de grandes chances qu'il nous lâche des petites mouches bleues. Belly Button, c'est de la merde. Attends, pourquoi je peux, j'ai le droit d'avoir deux trucs? Pas déconner, je vais pas garder ça. Je vais aller rechercher mon poupe magique là. Et récupérer mes pièces aussi. Putain, ça faut que j'y pense, même quand je perds pas de vie. Toujours récupérer les petites pièces. J'ai pris mon fil de ki? Non, en plus je complètement ignoré. Bon, on a deux trinkets. Si Belly Button, c'est pas mal pour ça. On a le droit à deux trinkets. Ça reste pas ouf. Ok. Parti, salle de sacrifice. On la fera jamais avec Keeper. Allez, des trucs cool, s'il vous plaît. Non, faut pas la prendre, putain, réfléchis. Il me faudrait une bombe. Il me faudrait beaucoup de bombes en fait. Je suis en train de spammer mon bouton alors que j'ai juste à maintenir ça tirait aussi vite. C'est psychologique. Ah bah merci les clés, hein, c'est cool, mais des bombes ce serait pas mal. Des runes. Bon, on aura des runes. Ça peut être cool. Ça peut être naze aussi. Oh non! Oh, je viens de me mettre le deal au cul. J'ai pas de spawn de pièces encore. Donc j'ai pas le droit de me faire toucher. Sinon c'est la mort assurée. Et j'aimerais bien continuer cette partie là. Ok, on va prendre tout de suite la pièce. Ah, une ruine. Alors, abondance, ça peut être pas mal. Il va exploser, non? Pièce ici. Je vais peut-être utiliser le. Alors, ça va prendre 3 plombes. Très bien. Vu mon skill légendaire pour déplacer les tonneaux. On est bon pour y arriver. Ça, on va pouvoir faire plus de rochers, il y aura peut-être une échelle de corde. On va rêver. Ok. Allez, de la chatte. C'est cool, un coffre. Bombe. Ça va nous permettre d'aller ouvrir l'autre coffre. On va pas y aller tout de suite. Putain, ça a pris. Je sais pas ce qu'on peut attendre des salles secrètes. Niquer mes deux. Ça. Il y a 5 pièces. C'était à côté? Ouais, c'est à côté. Allez, on va espérer quelque chose de bien. Un petit Krikensen là, ça ferait plaisir. Bon, beaucoup de pièces.
pièce que j'ai prise avant d'aller faire le boss, c'est complètement con. Quoique non, j'avais besoin de garder qu'une seule pièce sur l'étage. Si je me fais toucher deux fois, de toute façon, je suis mort, donc ça changerait pas grand chose. Faire la connerie. Allez, un boss simple. Monstro, ça va. Monstro, ça dépend de la salle, mais il n'y a rien de particulier. S'occuper des petits d'abord. Éviter de se faire toucher bêtement. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui nous fait spawn des mouches bleues quand même. Fréquemment. 36%, allez, Devil Deal. Non, donc on n'aura pas toujours le même round. HP up, ça me sert à rien, voilà. Je peux pas avoir pied de. C'est chiant. C'est chiant. Pièces, on a 10 pièces. Pièces, 4 clés. On est bien niveau clé. Bonne anime. Salut Ice Cream. T'es un peu à la bourre par contre. Je crois qu'il est reparti. Bon, bah ça pas top hein. Backstab, ouais mais backstab, ouais, j'ai que deux, je me fais toucher une fois, je suis déjà mort donc. Ah non, il était toujours là, looping. Bah j'ai rien dit, excuse-moi. C'est mon compteur de. Putain, putain. Oh je l'ai jeté. C'est mon compteur de vie qui dit n'importe quoi alors. Il indique 1 alors que vous êtes 2. Allez, crève. Ok, allez, une bonne ruine. Bon, hier. Parce que je vais foutre de sa ruine là. Je vais encore me foutre le Devil Deal au cul, j'imagine. Je vais me le prendre, ce tir à la con. Ah, il me faut du tirite. Prochain item, si j'ai pas de tirite, je suis dans la merde. Allez, mais meurs. C'est quoi ça? The Moon. Bon, on va l'utiliser tout de suite. C'est la merde à coup sûr. Ça, si je meurs sur un. Donation, d'accord. Et de la merde. Ah, par contre, si je arrive à timer mon attaque sur. On va attendre le prochain message. Quoi? Tu déconnes? Il est pas mort. On va y arriver, hein. Je vous promets. Ah, soit l'autre pénis, ça peut être bien ça, non? Ça et ça. Sur le pénis, c'est pas génial avec Keeper. Je sais plus ce qu'il fait, putain. En tous les cas, c'est un truc avec la thune et vu que j'ai besoin de thune. Mourez, s'il vous plaît, je voudrais juste savoir ce que ça me fait sur le pénis. Vous le savez dans le chat. Tu veux preneur de savoir ce que c'est. Je vais peut-être. Par contre, j'aimerais bien ne pas crever tout de suite là. Allez, donnez-moi des pièces. C'était radas en pièces. Tu m'aurais lâché des larmes, j'étais mort. Putain. Ils sont immortels ceux-là. Et. Résistance. On va le prendre, on va garder celle-là pour l'instant. On va essayer de la sortir en réflexe si je suis dans la merde. À coup sûr, je vais crever. Ils sont pas chiants. 50 mm. Allez! Oh là là, mais ça a trop de PV ces conneries-là. En plus, si je vise d'à côté, ça va jamais le faire. Tiens. 5 coups pour les tuer, hein. Alguise encore. Donc on va, faut pas hésiter à lui s'en servir. Alors, bientôt. Bon, on va assurer le coup. Ceux qui explosent là, je vais pas se rendre. Ok. C'est quoi ce truc? Ah ouais, mes charges, on s'en fout. Putain, et ça dure longtemps, Alguise. Hein. Peut-être le garder pour le boss, ça peut être pas mal. Putain. Lâcher des larves, je vais pas être content.
stoner. Allez, c'est bon. Tranquille. Par contre, ils ont lâché aucune pièce. Hein. Allez, s'il vous plaît. Et sans plus. On n'a pas trouvé la salle dorée encore. On va prier pour un petit item. T-Rate, s'il vous plaît, là, franchement, c'est ce qui me manque, parce que T-Rate toutes les 3 heures, ok, je fais des larmes qui ont des dégâts, mais... Oh. Et on n'est pas rapide en plus, hein, oui, je me disais bien que je me trouvais lent. Éloigné, Il sert à quoi, ce WP? Il sert à rien. Allez, vas-y, tire-moi, c'est... Allez, ils sont même pas mal les arrières. Par contre, si je vis jamais les mêmes, je vais jamais finir. Ah, là, c'est bon, je vais avoir la distance. Et je suis safe. On va y aller doucement. Ok, une nouvelle rune. Destruction... Allez, pour l'instant, elle guise en cas de grande nécessité. Parce qu'il risque de pas trop tarder ici. Si lui me touche. Putain, j'ai été courte. Ok. Il me sert à quoi ce Wallow de Penny? Ça double les PV, ça double les pièges, je sais pas. Ça augmente le spawn de pièces, peut-être. C'est vrai que depuis qu'on l'a, on en a eu plus. Ça, c'est naze parce qu'on peut pas avoir de cœur bleu. Je crois que ça donne des cœurs bleus, le Mom's Purity. Et on a toujours pas trouvé la salle dorée. Prend un dégât comme ça, mais on a eu de la chance que le téléporteur soit à chasse rapidement. Tiens, oh toi. Faut que j'aille se bloquer. C'est bon, faut que ça soit. Ok, ça c'est cool. Et on l'a buté. Et là on est bien. Là on est tranquille. Il reste plus que le boss à faire. On a une petite bombe en plus qui nous manquait. C'est pas mal, ça nous protège des bombes et ça peut absorber des tirs, je crois. Donc c'est cool, si ça nous permet d'éviter d'avoir de temps en temps des dégâts. Ouais. Je vais garder Algi, je vais faire le boss. Et Ira, j'irai peut-être voir dans la boutique. On a 3 clés. 13 pièces, ça serait un peu con, mais si on a moyen de récupérer, de gratter quelques pièces et keeper, ça va être chiant. Pff, oh, c'est. Oh, putain, il est rapide. C'est quoi déjà? Pff, oh la vache, et il me fait bader, hein. Le juge, je l'ai pas souvent eu, hein. J'ai plutôt son confrère qui est facile à avoir, mais là. Tourner, hein. Alors, est-ce que lui il se laisse toucher? Yes! Ah, c'est ça que ça fait? Oh, c'est trop bien. Si c'est ça que ça fait, soit l'autre Penny. Oh putain, yes. Mais si c'est 100% tout le temps, mais c'est gagné, c'est free win. Mais c'est que du plaisir. Enfin, faut se dépêcher pour avoir la pièce et pas se faire toucher une deuxième fois, mais en soi. Ça va simplifier grandement les choses. Ah! Je vais me faire tuer quand même. Est-ce que je peux le toucher? Je peux le toucher quand il est comme ça. Je pensais que c'était pas possible. Putain.
Direct, s'il vous plaît. Mais non, mais pas sur le mille. Enfin, je m'en fous du mille. Change. Ah, cool. Ça, c'est Evil Up. Ça donne des bombes. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. Putain. On est à 16 pièces. On va aller à la boutique. On a un Yera. On a toujours Algis. Ça, c'est cool. Mais on a deux Yera, je crois, même, sur la map. Ça peut être sympa si... Je sais pas. Je sais pas ce qu'il pourrait y avoir de sympa en fait dans la boutique. Je vois pas trop. La destruction aussi. Allez. On va avoir masclé. Pas ouf hein. Je vais avoir masclé, je sais pas trop. Et que la carte soit bien. Putain, j'ai pas gardé le Gira, je suis trop con. Faire ça, on va l'exploser. Exploser lui. J'ai un deuxième Ira, alors on va peut-être essayer de. Spammer un peu la machine et revenir avec le Ira. Et essayer de d'acheter des objets pour les prochaines étages. J'ai plus de bombes. J'ai plus de bombes pour l'instant, mais ça aura pas trop d'utilité de. Agalaz, je pourrais peut-être le faire sur cette salle-là, parce qu'elle a des champignons. Si. Sur celle-là. Abondance. C'est parti. Allez, on va prier pour avoir plein de thunes. En fait, on n'a pas trop besoin de prier vu qu'on va avoir plein de thunes avec Yera. On va avoir pas mal de clés aussi pour les prochains niveaux. J'ai failli me le spammer. Hein. J'étais déjà dans la boutique. Yera. Fortune. Non, je vais garder plutôt. Dallas. Okay. Ouais, avec Dallas, ça sert à rien. J'ai Swallow de Pini. Sauf si j'ai un boss vraiment dur. Ouais, si. Si j'ai un boss vraiment dur, ça va être utile. Bon, 37 pièces. On va espérer que la prochaine boutique soit cool. Arguez. C'est parti. Mais j'y crois, là. Franchement, Swallow de Penny, c'est bien pété. On a quand même pas mal de chance. Hein. C'est vrai qu'on a eu les cornes qui font plus de 2 dégâts en trinket. C'est vraiment cool. Et Swallow de Penny qui est à mon avis très pété avec Keeper. Et là bien sûr on va tomber sur un truc qui va nous shot dégoûter. Allez les araignées, venez vers moi. Petite salle. Qu'est-ce que ça pourrait être? Un petit D6. Agaz. On va garder Algis pour l'instant. Lui, ça il sert à rien. Hein. Je vais lui donner des pièces. Il veut tout ce qu'il va m'apporter, c'est. J'ai eu peur de me faire toucher. Tout ce qu'il va m'apporter, c'est un HP up dont je n'aurais pas besoin. Ça, c'est cool ça. Double shot. En plus, ça m'a rapproché mes tirs, non? Je crois. Ils sont plus proches qu'avant. Ça déchire. Bon. Mais par contre, le tirate encore, s'il vous plaît. On aimerait beaucoup du tirate. Déjà, c'est sûr qu'on a bonne tonne pas nous des de trinkets en fait. En fait, sur l'autre pini, je suis limite rentable de me faire toucher pour spammer l'argent. Mais après, ça, il y a un risque. Alors, je sais pas si ça marche sur les flammes ou que sur les ennemis qui me touchent. Faudrait peut-être que j'essaye. Par contre, faudrait d'abord que je laisse une pièce quelque part.
Une zouze. Vas-y, on va faire une zouze direct. On va faire. Calcul l'angle. Ah, c'est pas mal. Hein. On va tester quand même. Allez, un petit champi. Ah, oh, je l'ai pas. Je l'ai pas tué, j'ai niqué toutes mes bombes. Putain de merde. Je suis pas serein. Ok. Pas trop de monstres s'il vous plaît, sinon je vais en chier. C'est bon. Si peu, ça devrait le faire. Par contre, il y a l'autre qui repousse mes tirs et ça meurt. Ok, fou. C'était quoi l'item? Ah oui, double, je crois. Voilà, allez, lui on le bute. Yes. Une pièce. Ce serait bien que je trouve un truc pour. Putain, ça c'est vraiment naze. C'est vraiment naze. Par contre, le Devil Deal encore. Putain. On peut pas avoir une Angel Room tant qu'on a. On n'a pas réussi à pas se faire toucher. Destruction. Ah, ça marche pas. Ah, je pense que ça faisait genre une bombe, mais pas du tout. Alors, à votre avis, j'utilise la bombe. Je peux utiliser ici. Je vais avoir deux champignons et. Ouais, génial. On est content, on est heureux. On va la prendre tout de suite. Hein. On a toujours Algise. Putain, faut qu'on trouve une boutique, hein. Je vous jure. Ouais, vas-y, on prend les pièces sans trop se poser de questions. Ça va. Rag Mega, c'est pas évident. Il faut le toucher au bon timing. Et clairement, c'est peut être assez casse-couille. Avec ses boules qui tournent autour de lui. Elle m'a retouché, je vois pas où est la pièce. Elle... Tears up, ça c'est cool. Ah, ça devient un peu plus confortable. Quand même, moins 5 de tears up, c'est cool. 56 pièces, 7 clés, pas de bombe. C'est pas grave. Avec ça, on peut aller jusque mom. Easy. Je vais crever en 2 secondes. Je vais regarder ce que je vais dire. Oh putain, j'ai... Bon, de toute façon, ça m'aurait servi à rien. Ouais, bon, ça vaut clairement pas la peine. Non, non, je suis mort. Je suis mort. Le sang-froid. Je sais pas si vous l'avez vu. J'étais en panique totale. Ah, ok. Un peu. Putain. J'ai badé. Oh, il va me rusher cet enfoiré. Oh là là. Ça va. Tears up, dégâts up. Et on est tout bon. Hein. Faut juste vraiment faire gaffe dès qu'on se fait toucher à bien speeder pour récupérer cette pièce. Ok, ça c'est cool.
Le squelette, faut l'éliminer, c'est le plus dangereux maintenant. Et eux, de se mettre devant, leur tirer dans le dos, comme des traîtres que nous sommes. Ah non, ça va, franchement c'est cool là. Je la sens bien cette partie. Et ici, voilà. On zouz, pareil, on déclenche tout de suite, on va pas s'emmerder. On a une bombe. Est-ce que je la garde ou pas? Ouais, on va la garder. Pas un autre monstre. Ça va, ça va. On va venir ici. Très bien. Petite pièce. 62 pièces, hein, ça serait bien qu'on puisse en servir quand même. Parfaitement le genre de salle où je suis capable de crever comme un con. Chaque fois j'ai... Non, lui, il faut que je finisse par lui, c'est ça. Si je finis par lui, j'ai un truc. Oh, c'était pas ça. Alors, on a le bouquin, on va le prendre. Parce que ça permet de one-shot Mom et Momzer. Donc là, c'est plutôt gratuit. Et le reste, bah, on s'en fout, en fait. Les clés, on en a. La bombe, on pourrait la prendre parce que ça pourrait être potentiellement intéressant plus tard. On va le faire sauter, lui, pour augmenter notre chance. Non, c'est quand même pas mal. On va mettre des pièces et on va essayer d'en garder à les 15. Pas très rapide, hein. Putain, c'est... Ils l'ont accéléré dans les versions PC, mais là, on aurait pu le faire aussi sur la Switch, ça aurait été pas mal. Alors, ici, faut faire gaffe, il y a des pièces. Ok. Alors... Oh, je me sens pas bien là. Je suis pas bien. Putain, il y en a partout. La pièce. La pièce. Oh, perdu. Je suis à combien de pourcents pour... Ouais. Ouais, je suis pas très haut en pourcents pour... Pour le... Devil Deal ou... Je le fais toujours en dernier, c'est psychologique, hein. Je pourrais le faire avant, mais pas pourquoi. À chaque fois. Et Oise. On va garder. On va peut-être prendre la clé quand même. On trouve un mendiant qui veut des clés. Et t'as bien fait d'aller sur les pics, merci. Ah oui, il y a celui qui est invisible, putain. C'est moi ou il y en a beaucoup, mais genre beaucoup, beaucoup trop. Putain, putain. Putain! Ah, il est dur ce perso. On va en chier, hein. Salut, Itsuke. Comme tu veux voir, t'arrives pile poil au moment. Pile poil au moment où je meurs. Putain, on avait Swallow de Penny avec Keeper. Ça devait être du pain béni cette partie. On est mort. Je vais me faire toucher direct d'entrée. Merde. Pilule. Allez, c'est début de partie. Yes, on a trouvé la pilule Tears Up. Ça, c'est cool. Non. Est-ce que je pense à... Non, j'ai pas de clé, ça me servira à rien. Petite clé. C'est noir, pas d'image. C'est pas vrai. Pourquoi moi je le vois sur mon... T'es sur téléphone, Itke? Ouais, ça marche sur Twitch. Ouais, va, connecte-toi à Twitch, ma chérie. Moi, je le vois quand je me connecte sur Twitch. Mais, t'es sur téléphone. Je sais pas pourquoi, mais l'application Twitch téléphone, dès que les gens se connectent dessus pour regarder mon live, et bah ils voient noir.
Donc je sais pas pourquoi, Itke, mais si tu te connectes sur un PC, il y aura pas de souci. Ou peut-être si tu passes pas par l'application téléphone, mais directement par une page web, ça fonctionnera. Mais malheureusement, je sais pas pourquoi, et je sais pas pourquoi ça le fait qu'à moi. Je regarderai après un live, un de ces quatre, pour voir si je peux trouver une raison, ou voir ce qui est peut-être mal fait de mon côté, mais vu que je le vois sur PC, je vois pas pourquoi ça serait bien de mon côté et pas du vôtre. Casse-toi de là. Ou regarde peut-être de ton côté, hein. Peut-être que c'est un paramétrage de l'application qui doit être fait du côté utilisateur, mais ça m'étonnerait quand même que. Je comprends pas ce qui peut arriver qu'il fasse que ça plante comme ça. Ouais, passer par là. Pique là. Tu cales là, quoi. Ouais, mais sur ordi ça marche, c'est sûr. Mais je pense à chaque fois c'est des gens qui sont sur téléphone qui me disent que ça fonctionne pas et je vais crever sur une araignée de merde. Mais faudrait que je regarde, fasse une recherche pour pouvoir aider les personnes qui sont dans ce cas-là. Tu peux faire une recherche, ma chérie? Si tu marques Twitch, ok, bah c'est bon, je vais pouvoir la faire. Je viens de mourir. Je vais regarder. Alors, si on regarde Twitch, téléphone, stream, noir. Sur quoi tombons-nous? Écran noir sur Twitch. Écran noir depuis un certain temps. D'ailleurs, Hitkey, si tu veux, je suis aussi en train de streamer sur YouTube Gaming, si t'es encore là. Je suis sur YouTube Gaming, donc tu peux basculer sur YouTube et me retrouver. Enfin, YouTube Gaming, c'est le pendant de Twitch pour YouTube. Donc là, et là, ça devrait fonctionner, tu me verras. J'utilise rarement Twitch sur téléphone, mais oui, ça m'est déjà arrivé. Souvent, tu reload, normalement, tout devrait marcher. Ok, donc ça, c'est un conseil de Ice Cream. Hitkey qui est sur YouTube, ou alors pas sur YouTube parce que Ice Cream n'a pas de soucis sur YouTube. Mais ouais, je pense que l'application téléphone merde beaucoup de Twitch parce que tous les gens qui sont sur Twitch ont souvent un écran noir. Et bon. Allez, on va retenter avec Keeper, on y croit. Je veux tout votre soutien. On repart. Et on espère pas mourir bêtement et avoir un tears up dès le début, ce serait cool. Oh putain! Oh non! Putain, il va lâcher des araignées à foison. Lui. Non, c'est bon. On va récupérer tout de suite la vie. Ça va, c'est pas trop chiant quoi. Bah. Putain, le truc il m'a aidé. Le tir. Heureusement qu'il y a des pièces hein, là. Allez, on va utiliser le Bombs are key. Ok, j'ai une. Je sais plus ce que c'est ça. Ramming speed. Ah, si, c'est pas mal. Je crois que c'est quand je rentre dans une nouvelle pièce. Pas ça. Ça monte ma vitesse. Non, hein, c'est juste un boost de vitesse. Oh, mais elle a fait 3 km celle-là. C'est. Non, non. Ah, oh, bah bien sûr. The Spawn des mouches. Génial. C'est mal optimisé Twitch sur téléphone. Ah. Ouais, à mon avis, c'est bah, c'est difficile. Hein. Tous les téléphones, même s'ils ont tous les trois quarts Android. Enfin, les iPhone. Two of Diamond. Oh putain, faut pas que je crève. Regardez, je vais faire les autres pièces pour essayer de trouver une petite. Pièce. Pour éviter de mourir bêtement face au boss. S'il vous plaît, allez, venez. Venez crever. Moi aussi. Allez, viens. Une pièce. Tuer si je veux.
Ouais, j'y crois pas, là je vais tomber sur un boss de merde. Putain, un tour au diamond, c'est cool quand même. Offline. Non, franchement, ça va. Si je fais pas le con, normalement, je meurs pas. Hein. Je peux s'en tirer 3 fois, sauf qu'on a une cadence de merde, ce qui fait qu'il a eu le temps de faire pas mal de mouches. Meurs, 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 vite, s'il te plaît. J'ai pas que ça à faire. Ok, c'est bon. Tears up, ça. Bon tir zap en plus. Moins 5. Il en faudra encore un deuxième de tir zap. Ce serait confort. Non, ça va niquer toutes mes mouches. C'est des pièces là. Il va me spawn 10 000 monstres, ça je vais être dégoûté. Arrête de te faire mal comme ça. Ok, une pièce, ça c'est cool. J'ai fait ça. Faire ça. Et voilà. Ça servait à rien. La clé, on va s'en servir pour la salle d'achat. On va pas faire les. Encore une clé. Ah bah, passez-moi des clés, mais passez-moi plutôt des pièces, non? Putain! Yes. Par contre, j'ai mon Two of Diamond, je vais jamais m'en servir. J'ai l'impression que. Mais putain, c'est pas possible d'être aussi peu attentif. Putain, ça sent bon la carbonate flamande. Hein. T'as mis le feu sur combien, ma chérie? Chérie qui ne m'entend plus. Là, nous avons des invités ce soir. Tony. Si elle m'écrase, je sais plus ce que c'est. Il me faut une bombe. Mais bah, j'en ai deux. Parfait. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi les deux ronds jaunes? C'est ta vie. Oui, alors les deux ronds jaunes, c'est ma vie. C'est Keeper en fait. C'est un personnage que tu débloques en faisant le mode Gridier et en mettant 999 pièces dans la machine. Non, 1000 pièces parce qu'il faut que tu la fasses exploser. Ah la pute! Mais en fait, attends, je vais mettre pause et après je vais me servir d'elle pour faire péter tous les rochers. Et donc, l'avantage qu'il a, c'est que sa vie, c'est ses pièces, c'est les pièces. Donc tu trouves assez facilement de la vie, sauf que bah, tu trouves, si tu perds souvent ta vie, t'as pas besoin de pièces. Et tu ne peux pas avoir de HP up avec lui, ni de cœur bleu, enfin, ni de cœur supplémentaire. C'est 2 cœurs maximum. Si tu prends un Devil Teal, tu passes qu'à 1 cœur. Et tu peux, par contre, quand t'as un cœur, tu peux reprendre un HP up, mais tu pourras jamais dépasser deux pièces de vie, on va dire. Ça te dit de venir, même, là? Ça m'écrasait, mais... Viens péter ces rochers-là. Sois utile. Allez, viens. Bouge pas, regarde, tu là. Viens m'écraser. Et... Je le fais qu'une fois. Peut-être une seule fois. Pas grave, j'ai deux bombes. C'est pas le rock, c'est génial. Plus de dégâts. Par contre, on redescend un peu en vitesse, mais c'est pas grave. Et quality, c'est quoi? Je sais plus. Je crois que c'est pas ouf. Pas non plus trop. Ah, ça devient intéressant.
pote. On va laisser deux pièces parce que on n'a pas fini l'étage. Ah, tous les cacas, je suis désolé, mais vu que j'ai un trou diamond, ça me donne en plus, ça me donne soit des mouches. Aussi me donner des mouches. Et elles sont pas négligeables, hein, 6,23 de dégâts par mouche. C'est peut-être pas mal ça. Pour fuir des trucs. On va faire tout l'étage. Oh, un petit look-up en plus. 24 pièces, ça commence à sentir bon. On va même ouvrir la boutique, ouais. Oh, un plus 1. C'est génial, ça. Est-ce que j'utilise... Non, il coûte que 7, donc je vais pas utiliser tout de suite mon tool diamond. Je vais me le garder sous la main, là. Hop. On va aller se faire le boss. Allez, là, on meurt pas, s'il te plaît. Je me parle à moi-même. Je ne veux pas merder sur ce coup. Technique de lessive glace qui a fonctionné correctement. Shot speed, bon, c'est pas ouf, hein. On va pas se le cacher. Yes, oh, ça fait bon. Je vais aller chercher mes deux petites pièces qui me manquent, hein. Ça fait 4 pièces en plus avec le Soul of Diamond. J'espère que l'étage suivant, la boutique sera géniale. Ah, mais ça m'a doublé les pièces qui restaient. Le 1 plus 1 et le 2 of Diamond, là, il y a moyen que je sois très riche. Je sais même pas si je vais avoir besoin de me servir de mon 2 of Diamond si, si j'ai pas d'objet intéressant. Si j'ai pas trop souvent des objets intéressants. Oh non, pas les deux en même temps. C'est bon, c'était pour le squelette. Oh bah ça va, tranquille. Jamais me lâcher une seule pièce. Je me mets une dose de stress quand je fais ça. Face up, je suis pas sûr que ça soit très utile, non. Bon, on va le garder. J'ai mon écureuil qui est sorti de son hibernation. Dernière pièce. Ça, c'est grave de la merde. On va le... C'est quoi ça, lui? Merde, je pensais que c'était inactivable. Ah bah c'est... C'est naze. Vraiment naze. Je cherche un truc cool. On peut pas prendre qu'une sur les deux, c'est dommage. Mais putain, je suis trop con! Oh non, il me passe des clés. Putain, faut qu'il y ait une pièce dans ces flammes. En fait, il suffit de demander au jeu. On va trouver... On va chercher la boutique d'abord. Hein. Tant pis pour le Devil Deal. De toute façon, je pense que Keeper... Il va falloir vraiment que je m'améliore pour essayer d'avoir un Angel Rune.
Ah oui, mais j'ai pas toute ma vie. J'aime pas ces araignées là. Je trouve que leurs mouvements sont assez étranges des fois. Ok. C'est vrai que j'ai ce saut de mort. Yes, ça c'est cool. On va essayer de se servir plus du saut pour faire les esquives. Quoi dans cette boutique? Des clés, une jarre. Alors ça peut être pas mal. Les autres trucs c'est de la merde. Même la jarre ça me fait pas plus kiffer que ça. On va faire ça. Histoire d'avoir ma stune. Les pièces, les deux clés à 3 balles, on va les prendre. Hein. 3 balles, c'est raisonnable. Pour l'instant on n'utilise toujours pas notre. Le tout de diamond. Faut être stoïque devant cela, sinon on prend le dégât quand il meurt. Ça, j'ai juste tendance à me décaler comme un con au dernier moment. Allez, mais meurs! Oh là là, putain, il me lâche. J'ai pas d'autres pièces, putain. Ça, c'est pas la mort en poule, mais. Qu'est-ce qu'il y a ici? Jensen? Ah, ça vaut le coup, allez. Putain, ça n'est vraiment pas le coup. Ça va être chiant. Allez, les deux meurent en même temps, s'il vous plaît. Voilà, hop, parfait. Non, ça, ça a été. Mais bon, tout ça pour une mouche, ça me fait un peu lutter. Ah, j'ai plus de bombes. On va bien exploser les 4 champignons. Bon, une chance sur deux d'avoir un Devil Deal. C'est correct. Alors lui ça va, faut juste que je laisse pas le temps à ces trucs de mort sur le côté là. Voilà, ça c'est bon. Donc là, ça va être moins problématique, suite se décaler. Il est assez simple comme boss. Sauf quand il vous mind complètement. Et qui tire sur le côté au lieu de tirer tout droit comme d'habitude. Putain, j'ai une chance sur 10 de réussir à avoir le Devil Deal, ça fait chier. Allez. Allez, une sur 10, s'il vous plaît. On a du dégât, c'est bien. Franchement, c'est correct, mais on a plus de vie, quoi. On est tellement dans la merde. Il est tellement dur, ce perso. Ok, il me reste 1, 2, hop. Lui, on va se mettre ici, on n'a pas besoin. On est safe. Yes. Quoi? Putain, sa larme elle m'a pas touché, jamais de la vie. Allez, les pièces. T'as l'impression d'être un mendiant avec ce perso. Yes, j'ai trouvé tout.
C'est bien ça ou pas? Ah, ça me donne des bombes. Ok, super. Putain, c'est dur d'être fort avec lui. Hein. Perdre les divinités en permanence. Ça, c'est cool. Je peux... Il m'a pas... QUOI? Je suis trop déçu. Putain, je fais n'importe quoi. Ah, bon, c'est bien. Ça dérange pas. Allez. Par contre, là... Je me colle contre les murs. Ça, c'est cool. Vu que je me fais toucher toutes les deux secondes, on va les garder, je pense. J'adore me faire téléporter en permanence. Face up. Pas trop, ça va. Les araignées, trop bien. Ça m'avait manqué, les araignées. Non, alors on regarde les pièces. On regarde toujours les pièces. Ça va. Mais qu'est-ce qu'il faut là, lui? Ah oui, c'est vrai qu'il est bleu, pas blessé, tant mieux. Les... 1% de chance d'avoir un Evil Deal. Et tranquille, moi, je me dis pas, va pas chercher des pièces, histoire que t'aies un cœur en plus pour la prochaine salle, non, non. Moi, je joue à la dure. Hein. Ok. Putain, c'est vrai que les petits, ils étaient dorés. Ok, des clés. Tout ce que je veux prendre, c'est en solde en fait, donc je sais pas si... 46%. Ça fait quoi déjà ça? Ça donne un truc gratos? Non, même peut-être un truc du Evil Deal? Non, c'est pas ça, ou ça fait spawn un truc aléatoirement? Qu'est-ce que je fais? Je vais faire le Evil Deal maintenant, peut-être qu'on fera un clear de l'étage après. Histoire d'essayer d'encore un peu de chance de... Ouais, avoir un peu de chance d'avoir un ennemi. Ah, je crois que ça me donne un item de la poule... De la pièce où je suis, donc au Devil Deal, ça peut me donner un item de Devil Deal. Pas gratos, mais... Ok, je te mange pas. Putain, on spawn 10 000 et je viens de me prendre un hit à la con. Oh, vas-y, s'il te plaît, pas maintenant. Il a spawn sur moi. Il a spawn à côté de moi. J'étais en train de me déplacer vers lui. Oh putain! Ah, ça me déprime. Bon, on va faire une dernière tentative. Et après, on va s'arrêter là et je ferai un autre jeu. Curse of the Unknown. Bon, on s'en fout, c'est le premier étage. On est content parce que c'est déjà bien casse-couille comme salle. Ah oui, venez voir. Oh, je suis pas mort là. Je pensais que j'allais passer sur le vert. On va faire un vrai dernier essai. Ça, c'est pas mal. On va dire que pour les boss et pour les salles qui sont peut-être trop compliquées, ça nous aidera bien. Surtout pour les boss c'est cool. Non! Putain, je marche pas assez vite pour pouvoir m'en éloigner. Putain, les
pièces, s'il vous plaît, les pièces. Connerie. Il va me rusher dessus alors que normalement ils ont plus grand peur. Yes. Juste. Ah, yes, c'est cool. Est-ce qu'on va faire le boss tout de suite? Ball of Bondage, c'est cool, mais faut être fort. Et je suis pas, je suis nul moi à ça. Bon, allez, on y croit. On y croit mort. Bref. Il va y avoir des pièces. Putain, saloperie d'abeille. Des mouches, j'en suis sûr. Non, plein de pièces, j'ai rien dit, j'adore. J'adore ce jeu. 13 pièces, premier étage. Ball of Bandage, pas mal. Petit item sympathique, hein, quand même, ce qu'on a tiré. Hein. Black Hole. C'est quand même fort. Mais ça simplifie vraiment les salles, quoi. Il y a petit à petit, hein. Fais le tour. Ça va pas trop chiant la salle. On va le faire tout de suite. Spade, c'est clé. Si je trouve pas de clé, c'est cool. Donc j'ai bien envie d'avoir mon item le plus tôt possible, quand même. S'il te plaît. Pour ça, on va tout de suite faire ça. Et... il fait spawn des objets. On va le faire parce que ça permet aussi de rentrer dans la salle, la boutique gratos. Oh putain, ah oui, non, c'est bon, c'est des abeilles bleues. Le jeu est généreux. Ah, mais oui, non. C'est vrai que j'ai le truc. Ah, ça, c'est pas mal, je vais reprendre le cadeau. Le cadeau tout de suite. Attends, ça c'est quoi? Il spawn des batteries, non? Ah ouais, mais ça fait chier. Ah, les deux sont bien. Ils sont bien parce qu'un item de la dé... Si j'arrive à avoir le Devil Deal et que j'utilise le cadeau, je vais prendre ça. Comme ça, après, je peux avoir. Ouais. Faudrait que je vienne rechercher mon objet, hein, sinon je vais être déçu. Hein. Eux, ils vont être chiants. Eux, ils vont être grave casse-couilles, je vous le dis. C'est bon, ils sont sortis. C'est plutôt la position qui est chiante. Hein. C'est pas vraiment l'ennemi, mais quand ils sont positionnés comme ça. Meurs, meurs. Non, non, non. Ah si, attendez. Je vais battre le boss avec ça. Je reviendrai chercher. Ah, mais non, je peux pas parce que si le level s'ouvre. Une technicité à avoir. Parce que si le level deal s'ouvre et que je me barre, eh ben, je l'ai dans le cul pour le level deal. Comment elle est morte la deuxième? C'est ma mouche? Faut que j'arrête de prendre les pièces comme ça. Hein. C'est encore une, ça va. Mais... Ok.
on veut le Devil Deal, faut ne pas se faire toucher. Et Pin, ça va. Franchement, Pin, c'est cool. À part si j'ai vraiment pas de bol sur le setup. Et qu'il spawn vraiment dans la gueule. On va pas abuser, on va y aller doucement. Ah, en plus on a un HP up. Alors là on peut faire... On peut faire un truc cool. C'est-à-dire que... On va voir ce qu'il y a. Alors, j'imagine que Guppy Spawn c'est de la grosse dogue. Je peux prendre la tourelle. La seule truc que je peux prendre, c'est la tourelle. Guspispo, je peux le prendre, mais ça me m'aidera pas. Et si je fais ça? Si je fais ça, plutôt. You feel... Alors, You Feel Balance, ça me met toujours un petit moment d'inquiétude. Parce que je sais pas à quoi ça correspond. Si ça va pas baisser mes stats pour en monter d'autres. Par contre, la tourelle... En fait, oui, mais ça n'a pas de sens de prendre l'autre. Non, c'est bien. Non, c'est cool. C'est cool. On est content. On est bien, là. Je dis ça tout à l'heure et... Fini par moi. Merci, la tourelle. Ah, mais je vais pas... Je veux pas battre l'ange, hein. Prends ce risque parce que j'ai quasiment peu de chance d'avoir une deuxième. Pas très intéressant de le faire. Merde, j'ai pris la pièce. On va clear l'étage. On va réfléchir, on a le temps. C'est. On va essayer de récolter des items pour l'étage suivant. Mais ouais. Il est cool. Il va pas beaucoup m'aider. Il va peut-être des fois m'emmerder plus qu'autre chose si tu as un ennemi qui passe pas un truc. Ça c'est des cœurs blancs qui donnent. Je m'en fous. On va le faire péter parce qu'il peut y avoir des coffres. Ce qui n'était pas le cas. Salle d'arcade. Allez, c'est pareil. À chaque fois, il me donne des bombes, par contre, ça c'est cool. T'as remué ou pas, ma chérie? T'as remué ou pas là? T'as mis le feu à combien? Ça a accroché? D'accord. Vraiment, j'ai bien ça. Yuffie Balance, je sais pas ce que c'est, hein, ça m'inquiète. Ah non, Curse of the Lost. Il faut aller même salle sans me rendre compte. Ah! Elle est cramée? La tarte au four est cramée. Bête, la tarte au four est cramée. Et t'as pas mis quoi faire sonner? Je suis content que la carbonette soit flamande, soit en vie. Ah, écoute, tant pis, hein. Mais tu l'avais pas mis le truc à faire sonner? C'est sûr. Ben, comme tu veux. Hein. Monte là la cam, tiens.
peux pas tirer. Vas-y. Ah, elle est un peu cramée, hein. Ah, wow, wow, c'est brûlant encore. Un peu. Ça. En soi, faudrait goûter. Laisse-la refroidir et on goûtera au pire. Je la jette pas tout de suite parce que je pense qu'elle est peut-être pas. Bon, elle sera pas. En fait, je me suis bien cramé le doigt. Bon, ouais, elles sont un peu trop cramées, mais t'inquiète pas. Pose-la, on verra plus tard. Ben, la jette pas en tous les cas. Ouais, David, il a de la chance, hein. Il vient, il a droit à une deuxième tarte. Tu veux pas lui montrer un plat comme ça. Alors que moi, oui. Alors que moi qui t'aime, la tarte, c'est bon, on s'en fout, hein. Oui, il faudra ressortir, c'est sûr. They are blood brick rage. Yeah. Donc ça, il me semble que ça augmente les dégâts quand je tue un ennemi dans la salle, mais à chaque nouvelle salle, c'est reset. Donc sur les salles où il y a beaucoup d'ennemis, ça vous permet d'être assez fort. Sur les autres salles, ça rien du tout. Et voilà. Par contre, c'est vrai que... Non, c'est confortable. C'est confortable de voir le dégâts augmenter comme ça. C'est pas mal. C'est pas utile face à des boss, mais... Il y a 14 pièces, et je prends toujours la pièce, les pièces. Merde, je sais plus ce que c'est que ce truc. Alors, suite droite, c'est sûr que non. Suite gauche... Ça fait spawn un penny, je crois. Non, mais c'est grave cool, ça. Nickel. C'est trop bien. Ah! Oh, deuxième luck up! Et je prends toutes les pièges, je m'en fous. Ah ouais, mais flip coin. Ah ouais, mais c'est cool, mais c'est moins. Non, si, on va le garder. On va supposer que je vais jouer divinement bien, que les boss je vais tous les enchaîner. L'avantage de ça, c'est que quand j'arrive au boss, j'ai un point de vie supplémentaire. Ça, tac. Ah mais ça fait pas forcément. C'est un peu l'arnaque. Bah ouais. Bonne idée de foncer sur lui. Eh bah écoutez, c'est sur ce magnifique décès que nous allons arrêter ce petit stream. Je suis dégoûté, tout simplement. Allez, ciao, ciao.